Tenez-moi compagnie alors. Je suis arrivée à Paris, j'ai pris la voiture. Donc j'ai lancé maman, c'est facile. Après les gens m'ont dit, fleur de Lille, elle fait quoi? Fleur de Lille, me voici. Depuis le matin, je ne suis même pas encore arrivée chez moi. À la maison, est-ce qu'elle peut vous dire que là j'ai encore peut-être 45 minutes de route à faire, puis c'est bon. Je vais pas seulement faire un bisou à mamie parce que demain ma maman devait monter avec mes bagages parce que demain je vais au Cameroun. Bref, je peux pas un droit de réponse. Je vais répondre un droit de réponse à quelqu'un qui essaie de me salir avec sa conjointe ou c'est son conjoint. Et j'ai décidé de mettre tout au clair en fait. J'ai décidé de faire un droit de réponse. Donc mon droit de réponse sera installé chez nous à Bonaberry. Donc dès que j'arrive au Cameroun là, j'arrive demain, je me retrouve. Donc mardi. Mardi même, j'ai pas le temps, j'ai trop de rendez-vous. Donc, je vais répondre. Mon droit de réponse là, ça sera assise, je serai assise chez nous. Chez moi. C'est quand je dis même chez nous là. Voilà, je vais répondre mon droit de réponse. Mais il va falloir une bonne connexion. Une bonne connexion dans la Lyon. Il faut qu'on se voit, tu me mets. Je ne sais pas comment vous faites pour souscrire là. Tu dois me souscrire une bonne connexion sur mon téléphone. S'il te plaît. Je dois répondre à une personne. Vos histoires que vous dites, tu veux que je ne réponds pas. Non, maman. Le tout, si j'ai décidé de m'asseoir, et ça sera une fois pour toutes. Parce que dans la vie, il y a des choses qu'un. Dans la Lyon, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu. Quand mardi tu finis le travail, si tu as le temps, tu viens à la maison. Je veux que tu me montres comment souscrire la connexion sur le téléphone. Comme ça, je vais faire les directs. Je sais pas que je prépare un direct. TikTok. Je vais répondre étant sur TikTok. Pour le moment, je gère d'abord mes bagages, je gère d'abord tous mes rendez-vous. Donc, il faut que je me repose. C'est demain, j'ai un rendez-vous dans les locaux d'Orange. Orange Europe. Avec le directeur. Donc, est-ce que je peux même faire le droit de réponse? Je pense que le week-end, mais mon week-end aussi est chargé. Hein. Le week-end, il y a le mariage.
le deuil. Je ne sais pas. Mon droit de réponse là, hein. Mais quand il serait vraiment posé, il faut qu'il fasse ça quand je suis vraiment assise. La lune, je lui demande, je sais pas, je dois acheter un modem, c'est ça, j'ai besoin de la connexion parce que mon droit de réponse sera dans un village là, ça sera dans le poulailler où c'est le poussé, et ça sera dans l'enclos du poulailler, c'est là-bas que je vais m'asseoir pour répondre. Mon droit de poussin sera dans la maison des poulets, je vais m'asseoir que là-bas et lancer le direct. C'est là-bas qu'elle veut m'asseoir pour répondre. Oui, elle va aller m'asseoir dans l'enclos des poulets. C'est dans l'enclos des poulets qu'elle veut m'asseoir. C'est tout. Elle va aller m'asseoir dans l'enclos des poulets. Je vais faire le direct en filmant les champs. Je vais dire que voici ça. Voici les plans Jésus qu'on a promis qu'on va venir faire. Chouka, tu attendais qu'elle finisse ma maison, tu viens t'asseoir dedans. Les hommes qui calculent la maison des abeilles, que je vois comme ça là, que je suis toujours sur la route en train de voir. Un homme va venir se coucher au lit et péter dans mon lit, que je. Quoi? Péter dans mon lit, aller pisser dans mes toilettes, comme si c'est lui qui avait, comme s'il avait. Non, si, Weti. Maman. C'est le plan, hein? Ah, ouais. Ah, bah. Kevin, mon chat, tu es te coucher dans mon manoir. Ah, bon, hein? Eh, les hommes, que j'ai couché avec elle. Une ancienne bordel comme moi, tu crois que pour moi, coucher, c'est quoi? Ouais, je wonder, hein. Une ancienne bordel, tu crois que. Mais, coucher, c'est quoi? Ah, malchance. Donc, c'est une semaine niée. Oh, wow. Erika, hein. Ah, malchance. Et puis, les nyama là sont là. On veut vous niasser, on voit mon nom, mais devant. Dès que vous voyez que Fleur de Lis, vous partez écarté. Respectez-vous. Vous voyez que moi, écarté n'importe comment. Avec tous les clubs de Niasse qui existent. Et les bars à champagne de Niasso. Et les Toumao gratuits. Que pas aller, je rince mes yeux, je chauffe là-bas. Ni vu, ni connu, je suis ma boue et pas. Vous voyez que Niasse, c'est quoi? Oh. Niasse, c'est quoi? Et les parcs ici où on parle combo, c'est quoi? Oh, tiens, Nias, c'est quoi? Yannicka, hein? J'ai dit, je vais m'asseoir et je vais faire mon droit de répondre une fois pour toutes. Je pensais que en amitié, on se respecte. Que quand tu es un ami ou un ami, tu ne peux pas permettre qu'on lui dise n'importe quoi. Tu peux ne pas dire devant les gens, mais derrière, tu essaies de dire non. Il faut avoir de respect pour tel parce que moi, je ne suis jamais sorti avec. Donc, c'est pas. Mais c'est quoi? Oh! Massa! Coco! Mon pistage est comment? Hein? Bon, tu as Agnès, mon pistage. Tu as vu mon pistage? Mon haricot est comment? Mon haricot? Il y a la boucle sur mon haricot ou pas? N'importe quoi. Maintenant qu'on met le mauvais genre sang. Lui des hommes, c'est le la. Avec le mixant et le dexérine. Maman. Oh. Mais quelqu'un se lève comme s'il s'attaque à toi pour se faire voir. Quand le game de quoi? Il fait le game avec vous. Malchance. Et le bisou. Ah bon?
Ma copine m'envoie la vidéo du poulet qui est. Ouais, quand on veut faire toi, on fait même la formation. Le poulet que. Le poulet, maman, un 31 d'exemple, besoin d'acheter son poulet. Le poulet arrive qu'Emma. Trois poulets. Il faut voir comment les plumes de ça. Maman, on a seulement trop chauffé l'eau des poulets là-haut. Les plumes sont parties. Dans le... Ma copine m'a agressé. Oh, ça a quoi? Il dit que tu allais te faire voir. Tu as acheté. C'est pas que tu as. Oh, regarde, regarde. Plus la livraison. Elle va, regarde, 14 000 poulets que tu as acheté, non? Elle dit que maman, regarde, regarde, il n'y a même pas la peau sur le poulet. Ils ont enlevé les plumes et la peau du poulet même. Je vais vous poster la vidéo de ça. Ouais, j'ai seulement calmé. Hein? Oui, c'est quoi ça? Avec la livraison, c'est quoi ce genre de poulet? Maman, oh wow. Le gouvernement ne partage plus l'argent. Tous ceux qui vont créer les choses pour escroquer le Cameroun, il n'y a pas les dons. Il y a déjà assez de problèmes comme ça au Cameroun. Donc arrêtez d'aller créer les petites entreprises bracata pour faire le gouvernement. Les projets de ça. Ils ont tous les projets des milliards. Oh, oh, tu comptais pour ça pour venir me douter, pour venir m'épouser. Je peux épouser un homme qui n'a rien mais qui me respecte. Frère n'importe quoi. Aussi. Ah, maman, c'est quoi? Ah. Wanda Foot. Non, je ne veux pas. Maman, quelqu'un s'assoit, les gens. Hein? Hein? Quoi? Merde. Quand vous voyez une femme comme moi, dynamique comme celui-là, où est-vous une femme comme moi, un homme peut refuser. Hein? Une bosseuse. Un homme peut refuser. Vous rigolez ou quoi? Vous croyez qu'on se lève pour avoir une femme diamant comme moi? Vous avez vu ça, vous croyez que c'est facile, vous connaissez le nombre de filles connectées là qui aimeraient avoir pour les belles filles dans leur famille Fleur de Lys, maman. Hein? Le rêve de beaucoup, que la femme là qui pouvait lui donner à mon frère. Vous croyez que quoi? Wonderful. Regardez, je suis sur la route comme ça. Demain encore, je suis sur la route, je gare là-bas à l'aéroport. Direction le Cameroun. Vous croyez que c'est facile de monter et de descendre comme ça, hein? Et puis les gens vont venir cracher sur ce que je vais me parler n'importe comment. Non, il va falloir qu'on discute. C'est comme ça, c'est pas... Attendez, on est où là? Mais il faut arrêter, tu peux te permettre. Tu t'assois sur Facebook tout le temps. Et puis tu m'insultes, tu me manques le respect, tu me méprises. Mais attends, c'est quoi ce truc? Attends, le péage. Oh, j'ai même faim. J'ai faim, hein, je te jure. J'ai gros, gros faim, là. Parce qu'on a dit que Facebook, parce que vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de gens connectés. Quand il y a beaucoup de gens connectés, il faut dire du n'importe quoi aux gens. Il faut attendre dans la vie, faut pas être maladroit comme ça. Non, une fois, deux fois, non, mais trois fois, c'est trop. Trois fois, c'est beaucoup quand même. Hein? Trois fois, c'est beaucoup. Dans le chicken, il y a quelqu'un qui est là, une personne est dans sa vie. Boum, 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 je suis là. C'est... Je fais tout, le père, la main, oh maman. Mon frère, ça ne me dérange pas. Hein?
Mais je veux que les gens me collent la paix un peu. Surtout quand quelqu'un te dit non, arrête, arrête. Tu dois arrêter. Hein? Pas faire croire ce qui n'existe pas. Moi, si je veux qu'un homme me niaise, j'ai pas besoin de dire que oh, telle médication, allez d'abord faire ceci. Non. Vous prenez tous les problèmes des gens. Après, oh, j'ai défendu. Il faut arrêter. Et puis, je vois les gens, oh, t'avais défendu. Moi-même, j'ai une grande gueule. C'est passé d'essayer de rester. Arrêtez un peu souvent de faire que vous venez défendre les gens sur Facebook. Après, ça doit être comme un truc qu'on a mis à la gorge de quelqu'un. Dieu merci, je n'ai jamais appelé quelqu'un sur Facebook, dit que ouais, pardon, fais-moi un direct, défends-moi. Pourquoi? Pour que demain, ça devienne le chantage. Mais si au moins, j'ai dit que mieux les faux profils même qui nous suivent là. Parce qu'eux, ils ne cherchent pas la Stamania. Mieux nos FP qui nous suivent là. Ils sont dans le noir, ils nous suivent avec leur faux profil, sans intérêt. Tous ceux qui viennent avec le visage là, c'est toujours la visibilité. C'est au début d'abord ce que j'étais. Après ça change. Après ça devient, tu deviens redevable comme si. Mais arrêtez un peu. C'est comment non? Tu redeviens redevable. Un petit truc, non, j'avais soutenu. Un petit truc, j'avais soutenu. Mais il faut arrêter, on vous appelle de venir soutenir. Tu soutiens quand tu veux. Tu as envie, tu le fais de ton gré, tu mets ta. On ne vous force pas. Vous soutenez les gens souvent, vous nous soutenez aussi pour la visibilité. Parce que vous voulez que nos fans viennent s'abonner à vos pages. Du coup, vous faites quoi? Oh, je soutiens tel. Quand ça ne va pas, vous changez de côté. Ça tourne, vous tournez partout. Parce que vous voulez avoir les fans de toutes les teams. Est-ce que vous faites ça par amour pour nous? Non. Vous faites ça par profit, par intérêt. Donc arrêtez un peu. Après ça devient comme si c'était une prise en charge. Il faut arrêter. On se donne rendez-vous sur Facebook. Un petit, on t'avait soutenu quand. Oh, elle a fait les. Hey, meuf, attends là-bas avec ça. Les gens font les tirer, sont ceux qui mettent la connaissance, ils font les passes. Ils veulent. Ils nous ont trouvé en télé là, non? Après ça devient toujours une prise en charge. Oh, j'ai soutenu. Vous soutenez parce que vous gagnez derrière. Parce que vous gagnez, vous ne soutenez pas trop parce que vous nous aimez. Vous soutenez parce que vous cherchez la visibilité. Parce que vous cherchez que tous les fans s'abonnent. Et derrière, vous profitez. Mais vous n'allez jamais avoir ce que nous, nos fans nous donnent. D'accord? Vous n'allez jamais avoir ce que nos fans nous donnent. Ce que nos fans nous donnent, c'est pour nous. Allez faire pour vous, non? Pourquoi vous êtes toujours obligés de venir avec nos noms? Oh, je soutiens tel. Je suis venu pour combattre pour tel. Oh, je l'ai soutenu. C'est pourquoi? Sont obligés. Hein? Et dit que mieux même les gens qui nous soutiennent dans le noir là. Vraiment. Chaque fois quand quelqu'un vient avec son visage, pour finir, mais tu deviens endetté comme si tu avais appelé au secours. Hein? C'est quoi? Tout le temps, il faut toujours que ça soit dans le. Hein, et il faut voir, vous les fans aussi, vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes là pour quoi? Pour nous défendre. On ne crache pas sur quelqu'un qui vient te défendre. Mais arrêtez souvent de faire comme si c'est que non. Arrêtez un peu. Les gens voient les choses qui sont sur Facebook. Chacun veut se faire voir, il vient aussi, il parle. Après, ça devient que. J'ai supporté. J'ai fait les. Mais arrêtez. On n'est pas obligé de reconnaître. Quelqu'un peut me faire un direct, me soutient, ne partage pas, c'est obligé. N'importe quoi. C'est tout comme ça. C'est toujours comme ça. Allez chercher vos fans, dis donc. Vous venez piquer dans nos fans, toujours en train de venir prendre. Il faut voir. Les abeilles, vous savez quoi? Franchement, hein, vous là, hein, il fallait voir, c'est un beau couple. Beau couple. Voilà votre part de beau couple là. Hein, le couple, c'est le couple. C'est quoi que vous pouvez me donner en mariage? Vous pouvez me donner en mariage? C'est quoi? Si je vais à la marée, besoin qu'on me donne en mariage. Oh! Il fallait soutenir tel. Tel t'avait fait la vidéo pour te soutenir. Partage. Parce que vous les fans, vous aimez donner les ordres aux gens. Arrêtez de nous dire de partager si de partager ça. Non, on n'est pas obligé. Regarde ce que ces gens-là se retournent après, ils deviennent.
une fois qu'on les a donné la visibilité, ça devient quoi? Hein? Hein, il faut partager alors. La personne a dit de bien parler de toi. Même si quelqu'un parle bien de moi, il ne partage plus. Erika, hein? Je parle comme ça pour ne pas dormir, non? Je suis sur la rue, je suis fatigué. J'étais plus en commentaire, non? Même si quelqu'un parle bien de moi, il ne partage pas. Coucou, Priscaline. Tu es belle. Tu es comme Virus Lydia quand elle était jeune. Bon, elle est toujours jeune, mais bon, quand elle n'avait pas encore l'équipe de foot. Chaque personne qui vient soutenir, elle cherche les vues. Hein? Et puis vous allez vous commenter partout, partout. Hein? Dès que quelqu'un dit que j'aime ma foi, vous êtes déjà là-bas. Hein? J'aime Fleur de Lille, vous êtes déjà là-bas. Oh, la personne t'aime trop. Partage. Il faut partager. Il faut aller voir telle. C'est vous qui m'envoyez rendre visite aux gens. C'est la dernière fois. Vous avez compris avec quoi? Erika, hein? C'est bon là. Oh, telle t'avait défendu. Va aller voir la personne. Mais c'est quoi? Malchance. Tout ça, c'est vous. Hein? Va aller voir. Il va aller voir telle. Ouais, fais tout, tu parles. Mais je parle, mais c'est pas possible. Mais putain de bordel de manioc, de patates et de plantain et de tout ce qui va avec. Naweti, la voiture s'y fait quoi devant moi? Oh. Hein, il fallait saluer tel. Vous croyez que la vie c'est comme ça? On comprend que les réseaux sociaux que vous voyez là, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont là seulement pour détruire les autres. Hein, va aller voir tel. Hein, telle personne t'avait défendu. La personne a eu un problème. Va aller saluer la personne. Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi vous voulez toujours que les gens passent dans la vie réelle? Une amitié peut rester virtuelle, même virtuelle de toujours. Il y a les très bonnes personnes. Il faut les voir. Ma faute, oui, ne réponds pas. Et on peut dire quelque chose sur toi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur moi aujourd'hui? C'est la dernière fois. C'est quoi? C'est moi qui sais que je n'ai eu aucune relation. Une ancienne bordel. Merde. Donc je perds de la nias. Je choisis avec qui je niasse. Je choisis avec qui. Il y a quoi? Merde. Fais-moi les choses comme ça. Je dis que quand vous aimez alors que certains ont bien vous draguer avec le nom des autres. Je suis sorti avec elle. Je suis sorti. Pourquoi? Juge quelqu'un par rapport à comment la personne avec toi. Et il faut toujours comprendre que quand un homme parle déjà de l'ancien, ça veut dire que même de toi, il va toujours parler. C'est quoi? Vous venez soutenir les gens, après ça donne la corde au cou. Avant de venir soutenir, vous faites d'abord les tours, non? Vous partez là où il y a votre profit. Mais est-ce que vous testez les teams là, non? Vous faites d'abord tout le tour. Vous testez tout le mois pour venir vous asseoir là sur une dette. Fichez le camp aux gens, dis donc. C'est quoi? Toujours de dire que tel n'est pas reconnaissant. On a supporté tel. Jésus est venu faire les dîners nuit et jour. Hein, machin? C'est vous qui voulez faire nuit et jour. Nous-mêmes, on peut faire nos dîners. Nous-mêmes, arrêtez ça. Vous voyez donc alors comment? Vous voyez donc, non? Quand on vous dit que laissez-nous, vous voyez donc quand quelqu'un vient se dire publiquement, combien à toutes ces filles-là qui font les dîners? J'ai déjà dit à tous que ne faites pas à mon nom. Si je veux faire, je viens, je parle. Parce que ça tourne tout comme ça. Après, ça devient que oui, je l'avais défendu. Tel jour, tu défends quand tu défends pour toi. Vous mangez derrière nos fans derrière. Vous n'avouez pas. On a les comptes à rendre dans votre dent. Donc, tout ce qu'on fait, on doit vous dire. Parce qu'on nous a soutenus. Ça devient une dette morale. Arrêtez un peu. L'amitié virtuelle est une amitié virtuelle. Mais ce n'est pas possible. Arrêtez un peu. Vous avez des amis avec qui vous avez grandi. Vous avez vos amis, non? C'est quoi? Un petit, chacun veut chercher à se faire connaître. Et les tourbillonnements de Facebook. Les gens qui changent comme le pour se faire voir. Hein? Je dis que ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vient mettre sa caméra pour dire que... Oh, je suis avec toi, Abby. Ne faites jamais confiance. Ces gens-là. Je dis que...
Ces gens-là qui viennent là, quand vous mangez, ça ne vous dérange pas. Pourquoi vous mesurez ce qu'on nous donne? Vous vous mesurez. Si on nous donne 100 étoiles, on va vous donner aussi 100. Pourquoi? Même 10 déjà qu'on vous donne, c'est beaucoup. Après, je ne profite pas. Parce que vous voulez, quand vous voulez la sortir, m'afficher le camp, dis donc. Pourquoi qu'elle insulte sa tue qui? C'est quoi ce chantage? Tous les jours, les gens se lèvent pour faire les chantages aux autres. Vous insultez, ça fait quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit? Vous allez insulter quoi aujourd'hui qui va dépasser ce que vous avez fait avant? Fichez-nous le camp. Libre à nous de répondre à quelque chose ou pas. Si on veut répondre à quelqu'un qui nous insulte, on n'a pas besoin des coups de fil. Oh, tel a dit que, ça veut dire que, on n'a pas besoin de ça. C'est quoi? Même dans les enfants, même, mais il y a le feeling dans la vie. Il y a des personnes avec qui tu t'entends bien. Les personnes que, même quand ils te font n'importe quoi, tu es toujours avec eux. Les personnes que tu aimes bien, tu apprécies bien. C'est comme ça dans la vie. Hein? Il faut toujours que vous fassiez inventer les choses derrière. Inventer un petit truc. Oh, tel a dit que ça veut dire que vous analysez pourquoi. Si on veut parler, on parle. Hein? Et puis vous êtes là, les fans. Quand quelqu'un décide de parler de nouveaux stars, arrêtez de supplier. On n'a pas de secret. C'est vous qui donnez même la force à certaines personnes de venir nous manquer le respect. Parce que dès qu'une personne vient là s'énerver, fait semblant comme s'il a trop de choses à faire, vous commencez à supplier. Ouais, pardon, il faut appeler. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça quoi? Ne fais pas ça quoi? Hein? Pourquoi qu'on est bête? Quand quelqu'un dit que je veux parler, laissez la personne parler. Dis tout ce que tu as dans le cœur. Dis ce que tu as dans le cœur et puis tu fiches quand tu vas où tu veux. C'est quoi? Toujours les chantages, les chantages. C'était que ça avait fait que. C'était que ça avait fait que. On en a marre, dis donc, fichez-nous le camp. Hein? C'est quoi? Sorti combien? J'ai quoi l'impression que. Ah! Les gens sont là, mon frère. Les gens sont là toujours dans les petits micmacs, toujours dans les petits trucs à faire comme s'il y avait un secret. Vous ne nous avez pas encore insulté quoi sur Facebook là, de vous à moi. Qu'est-ce que vous ne nous avez pas encore insulté sur les réseaux? On insulte lundi, mardi, on demande pardon, mercredi, on change de team. Jeudi, on revient encore dire que, excusez-moi, on m'avait manipulé. Il n'y a aucun enfant sur Facebook là. Nous sommes des vieilles femmes et des vieux garçons. Hein? Donc arrêtez de faire les choses. Oh, je me suis trompée. Yeah. Je devais y arriver, non. Ce n'est pas grave, le carburant, il y en a. Mince, il doit sortir. En race, merde. Tout ça à cause de Facebook, vous voyez, non. Il doit sortir. Normalement, il doit sortir. Hey. Hein? C'est quoi? Les fans là, vous savez quoi? Sur Facebook que vous voyez là, je vais vous dire la vérité. Je ne me suis jamais levé un matin et demandé à une de nos, à une collègue quelconque que pourquoi tu parles avec elle. Pourquoi? Chacun est libre de parler avec qui il veut. Mais tout ce qu'on veut, c'est le respect. C'est tout. C'est tout. C'est quoi les chantages à deux balles? Jusqu'à vous supplier, non, pardon, passe un coup de fil. Il faut appeler. Appeler pour dire quoi? Quand les gens ont les choses dans le cœur, quoi que vous fassiez, hein, quand les gens ont à dire, laissez ces personnes parler pour se libérer, ça passe. Pourquoi vous croyez toujours que le seul secret qu'on peut avoir dans la vie avec quelqu'un, c'est d'avoir comploté pour tuer quelqu'un? Mais c'est dans le Congo, ça tout le monde fait. Dans la guerre, il y a les stratégies de guerre. Dans la guerre, chacun fait la stratégie comme il veut. Chacun fait sa stratégie de guerre comme il veut. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Dès qu'on sort, qu'on s'amuse, qu'on a le sourire, ça vous énerve. Mais vous pouvez vous lever aussi, aller vous amuser. Vous avez des amis autour de vous. Hein?
Dès qu'on veut s'amuser, ça vous énerve. Dès que vous nous voyez en joie, on était en Allemagne, chacun s'est amusé, les soirées étaient très bien. Ça vous énerve. Mais c'est de notre faute si vous croyez dans les canapés, dans les maisons, vous êtes enfermés, hein, à propager la haine partout. C'est vous qui voulez être dans la haine. C'est vous qui voulez écouter les conneries. Dans une famille, même père, même mère, si chacun écoute le Congo, ça c'est que personne ne parle à personne. Hein? Un petit, chacun se lève, il interprète. Un petit, oh, j'avais insulté tel au nom de tel. Non. Si moi je me lève pour insulter quelqu'un, j'assume. Arrêtez de dire que vous faites au nom des gens. Vous n'êtes pas des enfants. C'est vous-même que vous voulez faire pour venir, pour vous faire voir, pour vous faire aimer. Alors, quand ça ne va plus, ne venez plus dire que oui, c'est que j'avais d'abord fait telle chose, c'était au nom de tel. Non, c'est parce que vous voulez vous faire voir. On en a marre, dis donc. C'est quoi? Un week-end comme ça, on ne peut pas s'amuser tranquille. Chacun se lève, il dit sa part de son côté. Chacun se lève, il interprète. Hey, Flo de là dit que, ouais, ça dit que. Je vais vous dire la vérité. Sachez donc aujourd'hui, je vous dis, mon amitié, ma paix avec ma Yamsa, c'est une place. Quand je parle d'une place, ça veut dire que c'est une place. Ça veut dire que chaque relation, c'est une place. C'est comme ça. Ce n'est pas comme si c'était une relation groupée que je vais venir demander que, oh, machin, tout ça là. Quand on s'est vu à Lille là, c'était préparé où? C'était le hasard. C'était le hasard. Et si c'était préparé qu'on va arriver? Et même tu vois ta soeur. Et puis, vous faites la paix. Tu dois appeler les gens pour commencer à leur dire que oui, je l'ai vu, j'étais assise, elle est venue. Ça va changer quoi en fait? Nous, on appelait à se rencontrer ici, là, partout. Et on appelait à se voir. Vous qui êtes loin, 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 là. Là, on dit que c'est il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Mais la probabilité que vous rencontrez, c'est pas beaucoup comme moi, comme nous. Hein? Arrêtez un peu. Après, vous parlez d'ingratitude. L'ingratitude, c'est quoi? Il faut être reconnaissant tous les jours, toute une vie derrière le dos des gens, on dit qu'on n'a pas dit merci, on n'a pas reconnu, on n'a pas fait ceci. Pourquoi? Si vous venez nous soutenir gratuitement sans rien attendre, comme vous le dites, pourquoi à chaque fois il y a tous les chantages? Pourquoi? Pourquoi à chaque fois, quand quelqu'un veut partir d'une type, pourquoi taper le Dicalo? Quand vous venez, vous nous dites. Quand vous venez dans notre team, est-ce que vous nous dites? N'est-ce pas, vous voyez seulement un matin, vous commencez à insulter. Parce que vous avez profité du fait qu'il y avait le désaccord entre nous. Pour entrer parmi nous et pour mettre plus de haine. On en a marre, on est fatigué de ça. On est épuisé. Chacune veut gérer son couloir tranquillement. Merde, c'est quoi? Tous les jours, un petit tueur, hein, Fleur de Lune, elle a avalé tel. Elle a parlé comme ça. Pourquoi vous voulez toujours interpréter les choses qu'on dit? Vous partez transformer. Parce que ça ne vous plaît pas de nous voir comme ça. Hein? De nous voir comme ça. La paix est bien. Ça vous fait mal. Ça vous choque. On doit vous rendre compte. On doit vous rendre compte par rapport à quoi? Je vais sortir les invitations du voix bébé. Ça fait 2 ans que je n'ai pas vu le présent. Ni avec ma sister. 2 ans, je ne les ai jamais vus. Donc quand on va se voir, il va falloir appeler tout le monde pour dire que oui, on est ici là, machin, tout ça là. J'ai appelé dans le direct de Lolo l'autre jour, exprès. Ça fait 2 ans, je n'ai pas parlé. On ne sait même pas. C'est la première fois depuis plus de 2 ans. Que j'ai appelé pour saluer. Est-ce que vous avez dit, vous, ils ont commencé à faire que oh, c'était que fichez-nous le camp. C'est fermé. Vous êtes toujours comme ça. Les fans vous donnent, après vous voulez vous mettre en rivalité avec nous. Quand nous on a souffert pour notre Stamania, quand on nous a insultés, caricaturés partout, vous cherchez vos problèmes, vous mettez ça sur les têtes des gens. Oh, mais insultez parce que, mais pourquoi les gens mentent sur Facebook comme ça? Vous venez sur Facebook avec vos propres problèmes. Vous avez là fait le tour de la basse et de ceci. Maintenant, portez, vous mettez sur les têtes des gens.
pourquoi on a peur de vous? Il y a quel secret que vous détenez? Quel secret? Il faut toujours supplier, faire semblant. Pourquoi? Quand ça ne va pas, chacun prend sa route. Hein? Quand ça ne va pas, chacun dégage. C'est obligé. Mais de les gens sont, oh, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour de quoi? Nous, on a nos enfants. On a des vies privées. C'est quoi ce truc-là? C'est sur Facebook, vous venez chercher le manque d'amour. Vous avez des enfants. Vous avez des personnes dans votre vie. Hein? C'est derrière les gens que vous ne connaissez pas sur Facebook, que vous voyez seulement comme ça, que vous allez chercher qu'on vous aime. Vous connaissez depuis combien de temps? Je n'ai pas dit à mon homme que je t'aime. Que je n'ai pas dit que chérie, je t'aime. Mon frère, je vais faire comment? Les gens, je dis que j'ai raté la sortie de ma ville. J'ai raté, je suis obligé d'aller contourner loin. Je suis en train de rouler comme... Je vous dis, j'ai raté. Ici, là, quand tu rates, tu as raté. Hein? On ne fait pas demi-tour sur l'autoroute. C'est jusqu'à la prochaine sortie. Et la prochaine sortie, c'est dans quelle ville? Presque en train d'aller à Lille. Regardez. Il faut qu'elle sorte. Mais la prochaine sortie, c'est loin. Regardez toute la route qu'elle veut faire. Je vous dis. Flexibusien, vas-y, place-toi. Oh, un petit truc. Et les fans, vous croyez que l'amour, c'est ça? Aimer quelqu'un, c'est ça? Hein? Noyon. Vous croyez que dire qu'on aime quelqu'un, c'est tout le temps de chercher à faire comme s'il y avait. Dans les stratégies de guerre, quel que soit c'est le Congo, ça qu'il y a eu avant. Je dis juste que, hein, quel que soit le Congo, ça qu'il y a eu avant pendant les moments de guerre, c'était avant. C'était la stratégie de guerre. Laissez ça. Laissez ça. Quel que soit ce qu'il y a eu avant, les alliés se parlent. Quand on est alliés, on se parle les stratégies de guerre. Vous qui vous êtes partis, vous alliés et tout, il y a les stratégies de guerre. Mais c'était avant. Quel que soit ce qui va se dire là, ça ne changera rien avec ma relation avec qui que ce soit. C'est tout. Vous n'avez pas compris. Vous ne vous avez pas encore insulté quoi? Vous avez combien de profils? Le comment ça c'est vous. Le ceci c'est vous. Tout. Après demain pour dire que les gens sont ingrats. Quand quelqu'un parle sur Facebook, mais vous êtes des spécialistes d'analyse mon frère. Quelqu'un parle sur Facebook, ça devient que non. Elle s'adresse à qui? Et il faut analyser. Non, elle s'adresse à telle. Pourquoi? On a peur de vous. Si quelqu'un veut parler, prononce le nom. Est-ce qu'on a peur de prononcer le nom de quelqu'un? Mais pourquoi analyser si on n'a pas des arrière-pensées? Pourquoi analyser? Pourquoi analyser? Vraiment, hein, sans vous mentir, les gens qui font les directs là, hein, tous cherchent que la visibilité, tous cherchent que la stamania. Les gars là-bas chez les Lolomania là, il y a la dame là, Julien Zombie. Est-ce qu'elle fait les directs? Mais c'est un bras droit des Lolomania que tu ne peux pas imaginer. Mais elle ne fait pas les directs. Elle ne cherche pas la stamania. Elle soutient sa soeur. Ça n'est même plus sa star et sa soeur. J'ai vu quand elle a perdu sa mère, comment je parlais avec Lolo. Quand elle a perdu sa mère, mais il faut voir comment Lolo était en. Comment on dit? Elle était plus bas que terre. C'est une famille. Hein? Vous croyez que ça fait les directs tous les jours, tous les jours? Si vous faites les directs gratuitement, pourquoi vous monétisez vos pages en fait? Vous monétisez vos pages pourquoi? Dites donc, laissez-nous ça. On est fatigué vraiment. C'est même quoi les histoires d'app? C'est dit que hein, vraiment, on parle vraiment les choses comme ça. Dans la vie, vraiment, il y a des choses. Après, on va se dire que les gens se gâtent avec tout le monde. Hein? Vous voyez pourquoi on refuse souvent l'aide de certaines personnes. Vous voyez donc pourquoi ça arrive de se mettre sur Facebook et dire que aux gens que non, ne venez pas parler à mon nom. Parce que demain, ça va être que, oh, tu es ingrat. Tel t'a soutenu l'autre jour comme ça. Maintenant, tu es venu, tu as répondu que, oh, ma chaise s'est montée, s'est descendue. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas... Hey, je vais faire comment?
Je me suis trompée. Arrêtons un peu. Les abeilles, vous, j'ai quelque chose à vous dire. Hein. Vous savez, il y a des choses que quand on voit, on reste tranquille. Vous n'êtes pas obligé de tout commenter. Vous n'êtes pas obligé de tout commenter. Parce qu'on m'a dit demain que oh, vous avez, c'est à cause de vous que oh, hein, à cause de vous que c'est monté, c'est descendu. Les abeilles ont fait la manipulation. C'est monté, c'est descendu. Qui est bête? Les autres ne voient pas. Les appels de balle. Vous pensez que nous sur Facebook, là, moi personnellement, hein, je n'ai jamais dit à quelqu'un que ne parle pas avec elle. C'est monté, c'est descendu. Non, pourquoi? Tu parles avec qui tu veux, mais tu fais attention, c'est tout. On a nos fans qui sont là. Il y a certains qui apprécient même la paix, certains qui n'acceptent pas. C'est pour ça qu'ils trouveront toujours un truc à dire, à appeler. On a nos vies. Appelez-lui. Tu as suivi le dire. Vous croyez qu'on a le temps comme vous d'écouter tous les directs? Quand on aime sa star, il y a des choses même qu'on peut écouter et ne pas appeler sa star pour dire. Hein? Il y a des choses qu'on peut écouter. Même par amour pour votre star, vous ne l'informez pas. Ce n'est pas qu'un petit truc. Allô, oh, tu as vu, fais attention. Tu as vu maintenant, Fleur de Lille là. Voilà, la paix n'a même pas encore fait une journée. Elle a dit que, elle t'a parlé, elle t'a commandé. Maman, dans quoi? Je dis les choses pour protéger ma âme sœur. Pour la protéger. Oui, maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Au moins, moi, je lui ai dit que, c'est, voilà, ma pensée. Où est le problème? Où est le problème? Vous voyez que quand on aime quelqu'un, on peut analyser ce genre de choses. Pourquoi vous prenez tout ce qui est mauvais dans ce qu'on dit pour aller traduire? Pourquoi dans tout, vous n'avez pas pris ce qui était bon? Pourquoi vous prenez seulement ce que... Et puis il y a la compréhension. Hey, je vais sortir comment? Hey, je vais aller sortir. Oh. Les gens sont là, mon frère. Un petit truc comme ça. Même comme ça, même s'ils sortent ici, ça ne change rien. Même en sortant ici, c'est rien. Prochain village qu'ils veulent voir, ils doivent sortir et faire demi-tour. Pardon, restez avec moi. C'est comme ça que ça a été la dernière fois. Oh, on a dit que... Oh, ça a monté, c'est descendu. Les Loromaniens donnent les étoiles. Hein. Ce n'est pas qu'ils donnent les étoiles. Hein. Quand les gens voient ça, ils se disent que c'est eux qu'on doit donner ou bien on va diviser moitié. Pourquoi? Quand on insulte Loro, là, c'est vous qui encaissez. C'est vous qui encaissez. Vous défendez, mais elle a sa bouche. Le jour qu'elle veut se reposer, elle se repose. Elle reprend encore. Vous connaissez depuis combien d'années on a fait ce travail? Vous arrivez quand? Vous arrivez quand? C'est quoi cette reconnaissance que vous cherchez tout le temps? Et vous, certains fans-là, vous êtes vraiment des girouettes. Vraiment des girouettes. Les vrais fans ne font... les vrais fans ne tâtonnent pas comme ça. Les vrais fans... Pourquoi vous êtes-vous peur qu'on a les choses sur vos stars? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi vous avez-vous peur comme si on a, les gens détiennent les secrets sur nous? Oh, ne fais pas ça. Arrange avec ta soeur. Pardon. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. La soeur qu'a fait... Tiens, que j'ai dit, tu veux parler, tu parles. Vous venez insulter les gens, vous mettez toute votre énergie, tout votre gousien. Après demain, ça devient que non. Je faisais même d'abord ça que pour tel. Non, tel ne m'avait rien fait. Ah bon? Ah. Ça veut dire que je vois que je n'avais rien fait. Hein? Ça ne change rien. C'était avant, on est en paix. Il faut laisser. Faut laisser. Madokas. Faut laisser. Ce que tu as fait là, il faut laisser ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même s'il fallait faire une sortie, tu n'attends pas quand ta soeur est dans une soirée que ce sont ses premières sorties qu'elle s'en va enjoy vraiment. Une sortie comme ça, c'est pourquoi? Pour la déstabiliser, pour qu'elle ne s'amuse pas. Mais elle s'est amusée correctement et bien. Hein? Analyser un truc comme ça, c'est pas bien. Et si elle est obligée de parler avec toi,
Tu n'es pas obligé. Tu as tes amis. Et même pour aller à la canne, si tu avais besoin de... Tu payes ton billet, tu pars. On fait les choses comme ça, Madokas. Ça fait que les gens commencent à se moquer de toi, que tu pourrais payer ton billet, tu pars en Côte d'Ivoire. Si vous marchez ensemble, vous vous connaissez même, vous êtes déjà vus. Un peu comme ça, c'est pas bien. Tu pouvais attendre, finir sa soirée, et puis tu lui passes, tu as lui dit, je sais pas, ils sont obligés que vous soyez amis. On peut être amis sur Facebook, il n'est pas être amis dans la vie réelle. Hein. Et puis peut-être tu ne sais même pas comment il a atterri en Côte d'Ivoire. Peut-être que c'était une dernière minute et tout et tout. Peut-être que c'était quelque chose de dernière minute. Qu'elle s'est levée comme ça, dernière minute. Elle a décidé d'aller dernière minute. Elle a tenu compte. Parfois aussi tu peux même être avec un bon dragueur qui ne veut pas que tu sois avec les gens de Facebook. Vous croyez que quoi? Elle pouvait même être avec son miasseur qui ne veut pas voir quelqu'un de Facebook. Hein? Tu vois que le gars voit une personne de Facebook. Peut-être était avec toi. Ou bien. Hein? Peut-être qu'elle était avec son gnasseur de dernier. Elle dit que non, 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 moi, tes choses de Facebook là, je ne veux pas. Maintenant, elle ne peut pas venir te dire que oh. Un de ces bons gars a dit que pardon. Moi, ces choses de Facebook là, je ne veux pas. Il y a les gens comme ça, oui. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Que non, pardon. Quand elle va venir là, elle va dire que. Oui, je te présente ma collègue Facebook, c'est Mado. Le gars va dire que Mado. Et puis, vous allez marcher ensemble, monter, descendre. Hein? Tu pouvais aller dans ton coin, tu pouvais prendre ton billet, tu pars. Ouais, les amitiés de Facebook, c'est. Ouais. Donc, tu m'as insulté pour rien, tu reconnais. Gratuitement, parce que c'était ça. Il y a un du village. Là, c'était alors les choses du village. Tu ne peux pas dire que c'est à cause d'elle. Tu m'avais insulté avant, pendant la... Je suis ici. Tu m'avais insulté avant, pendant la... Pendant le conseil de Lady Ponce. Pour rien, je dis que la messe, je lui ai fait pas rien. Tu as rappelé qu'on se reconnaissait aux États-Unis. Je ne me rappelais même pas. Je me rappelais pour dire que je ne la connais pas moi, hein. Donc le temps là c'est toujours elle qui t'a envoyé. Après tu as recommencé encore là là. Après tu es revenu. Et moi Facebook et les girouettes. Mado. Après tu as encore changé de côté. Reparti encore là-bas demander pardon. Parce que quand tu es revenu de mon côté, hein, tu es revenu, oui. Et vraiment, ça avait fait que. Et ce qui a gâté, c'est parce que tu étais. Il y a eu le problème du coquille. Et. Il y a eu le problème, ils sont dans le petit village aussi. Ok. C'était le. Il y a eu le problème de coquille. Et comme la petite Nicole, j'avais dit que j'avais supporté. C'est même pas que j'avais supporté. J'avais dit que non, ce n'est pas comme ça. Du coup, tu as changé de côté. Commencé encore à m'insulter. La mère, c'était l'affaire du coquille. Oui, tu avais le problème avec Nicole. Oui, l'affaire du coquille. Vous étiez amis. Elle était d'abord ta. Nicole était d'abord ta fille, non, ma? Elle était d'abord ta fille. Ça n'a rien à voir. Elle, c'était Lolo. Hein? Ouais. Maman, regardez loin là où je vais faire demi-tour. Maman, elle dit que mais, quand tu rates l'autoroute, ça dit que quoi? Il faut mettre le ticket. Hein? Mado, Nicole, c'était Nicole était ta fille, non? J'ai dit que... Elle était même ta famille. Nicole était ta famille, non, la mère. Parce qu'il y a eu l'affaire. Comment est-ce que la famille, jusqu'à ce que vous rendez visite? C'est l'histoire du coquille qui a tout gâté. Les gens de Facebook. Les gens de Facebook. C'était l'affaire du coquille. On a discuté l'affaire du coquille là, ici. Mais est-ce que c'était que tu as acheté pour un Lolo? Ouais, pardon, il faut reconnaître ta soeur. Pardon, appelle ta soeur. Appelle ta grand-mère. C'est là où c'est sorti qu'il y a même la fête de la famille, c'est ça. La grand-mère. Pardon, il faut. Mayam, il faut appeler ta grand-mère, pardon. Ta grand-mère, tu veux vous porter le même dos. Attendez un peu, les gens. Je fais comment? Oui.
Vous portez le même nom du village. Maman, on peut laver sa belle. Les gens. On peut se lever comme ça, on parle à sa grand-mère. Hein? Il faut voir quand elle m'a hâte de parler. Oui, Fleur de Lille a pris le ndop, a attaché le cou de Lolo avec un deuil. C'est en ce moment qu'elle a pris les chances de Lolo. Hey, tu voulais qu'on vienne te demander pour que tu déconseilles la paix là. Les gens, attendez, c'est noir. Il faut que je cherche l'autoroute en fait. Il faut que je retourne comme c'est parti à Paris. Merde. Il fait comment il doit retourner comme si je partais. Je ne peux pas avoir la compagnie de Paris. Les gens, vous voyez ce que ça m'a fait. Donc j'ai payé l'autoroute comme je me suis trompée. J'ai payé, je suis sorti. Maintenant, il doit encore ranger. Il doit maintenant rentrer de ce côté pour repartir à Paris. Il faut voir quand m'a donné. Oui, je vais vous décrypter. Elle a pris l'ondop. L'ondop, elle a mis sur le cou. On deuil. Tu veux qu'on vienne te dire que oui, la paix avec pour que tu dises que non. Non, on est fatigué de ça. Hein? On te demande à vos papas quoi. Quand quelque chose arrive, que c'est le. Quelque chose qu'on n'a pas pu. Elle doit te demander, ma. Ah, oh, wonderful. Ouais, Lolo, tu souffres, hein. Maman, tu souffres avec tes alliés. Mayam, tu souffres avec tes alliés là-haut. Maman, pardon, la prochaine fois que quelqu'un passe à la caméra, hein? Je dis que non. Le soutien est bon, mais laissez comme ça avec. Non. Maman, toute une vie. Ah. Le seul qui n'est pas encore sorti dit que oh, j'étais soupiré. C'est le pasteur supérieur. Et comme c'est un homme, je suis celui qui ne fera pas ça. Il ne pourra pas faire ça. Hush, les femmes. C'est ici qu'on a vu l'histoire du coquille, non, madame. C'était pas la fête du coquille. Ah donc, au centre de toi, tu vends tes macabos, tu vends tes trucs. Même les, tout le monde achète, tu vends tes choses tranquilles. Ne donne plus ta poitrine pour les gens. Nous là, nous les Colombiens, on n'a pas besoin qu'on donne la poitrine pour nous. La pluie. Parce que vous donnez la poitrine comme ça, la maman. Il faut laisser. Arrange avec ta yam, arrange avec ta grand-mère. C'est vous qui donnez souvent même le bâton au détracteur pour nous fêter. Vraiment. Je connais une là-bas, ma frigo. Elle va jubiler l'autre ici jusqu'à passer. Hey! Mando, si tu veux, tu parles avec ma frigo, non? Avec tous ces gens-là. Donc, pourquoi vous dites que vous allez parler avec eux? Comme si. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas dans vos alliances. Le contrat qu'il y a eu, hein, parce que nous sommes en mode de paix, tu es libre de parler avec qui tu veux. Mais quand tu avais dit à ton allié que oui, maintenant tu vas même parler avec elle, tu vas pas. Mais attends, tu n'es pas un enfant, tu es même une femme mariée, tu peux parler avec qui tu veux. Tu es même bien placé comme une grande soeur pour nous faire la paix, pour réunir tout le monde. Ça, c'est le rôle même des grandes soeurs. Hein? Oui. Comment tu parles avec qui tu veux, non? Ou bien elle va se fâcher. Est-ce que parler avec quelqu'un veut dire que vous parlez de. Est-ce que parler avec quelqu'un veut dire que vous parlez de. Je ne sais pas, des autres personnes? Non. Moi, par exemple, la veuve, je sais que. Elle avec ma collègue compresseur, ça ne donne pas. Mais la veuve, je pars chez elle. Et même elle compresseur, c'est que la veuve, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc, ce n'est même pas comme si on va s'asseoir, on parlait de la veuve, que oui, c'est monté, c'est descendu. J'ai entendu une personne aujourd'hui dans le direct de Cameroun, Afrique, Japon. Une dame commençait à dire que, une TK s'est dit que oui, que j'ai commencé, combien que j'ai fait quoi. Je ne sais pas, est-ce que c'est ce que votre star vous a dit ou bien vous analysez. Que oui, elle est partie chez la veuve, mais pour aller chez la veuve, j'ai besoin de donner la permission à quelqu'un. Vous m'avez vu faire un direct pour me plaindre que. Pourquoi on a partagé tel, pourquoi on a fait ceci. Moi, il y a des choses que moi, je ne ferai jamais, mais c'est moi. C'est un choix. Oui. Jamais je vais voir où on insulte une personne avec qui je suis en paix. Je ne vais jamais partager.
même si c'est pas regardé, même si c'est bon à moi, je ne regarde, je ne partage pas. Par respect même pour vous, nos fans. Vous voyez un peu, non? Donc, je ne vois pas, est-ce que je vais demander la permission pour aller, si elle va aller chez la veuve, ou bien la veuve, quand elle veut me laver, elle me lave. Mais on est ensemble, elle est comme ça. Je n'accepte pas forcément tout ce qu'elle fait, mais je n'ai pas besoin de demander la permission. Que oui, tu vois comment je peux parler à la veuve, pourquoi? C'est pas comme ça que ça se passe la vie, les filles. C'est pas comme ça, c'est vous qui analysez les choses qu'il ne faut pas, non? Chacun est libre de parler avec qui il veut. C'est tout. Vous croyez que nous, là, on a trop le temps pour les sauter, il faut parler avec les gens.